je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour un toit attiré par le plus grand. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour un toit attiré. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça, parce que je n'avais rien. Car la famille de mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Salutations à tout le monde. Je suis toujours endormi. Même quand je dors, je me réveille, je suis fatigué, je suis endormi. Donc voilà. Je vous fais écouter le petit son là. Puis j'ai un petit message, c'est un petit direct, je ne vais pas rester longtemps. Mais comme il vient de me lever, je vais mettre le son là. Je vis parmi les étoiles, toujours chez les grands, jamais si t'es chez les petits. Non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Qui vit dans ta vie, ta vie a changé, oh. Il y a des héros, aujourd'hui tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu qui vous est lui en moi. Alex Zaté, big up ma chérie, ça va la championne, big up à toi, plein de bisous. Olga Cécile, aujourd'hui là je me suis pas trompée, hein. Olga Cécile, big up à toi, big up ma chérie, mes soeurs, je suis bouillé contre eux. Je n'ai pas resté longtemps parce que hier il a fait une vidéo, puis aujourd'hui en fait je suis en train de faire une vidéo et moi je suis fatigué. Quand il fait vidéo, je suis à moitié endormi, mais je fais quand même. Donc bon, on mettra le son, on terminera la musique à la fin. Bon, je fais cette petite vidéo là parce que je viens de voir quelque chose sur Facebook là. Il y a d'abord notre soeur Edith Demignon là. Soutien à elle, il faudrait qu'on s'organise, je ne sais pas, il faut que je rappelle encore, vous tous, je vous rappelle pour qu'on voie, je ne sais pas ce que les filles ont mis en place, donc on va voir s'il y a des trucs à faire, cotisation pour le soutien et tout, donc on va s'organiser et puis on va s'occuper de ça. Donc cette vidéo aussi, pour soutien, comme j'ai dit, pour Edith Demignon, mais c'est pour qu'on soit unis, et qu'on se mobilise pour mettre ça en place. Donc soutien à Edith Demignon. Je vais essayer d'appeler ceux qui sont à Paris là, d'ici ce soir là ou bien demain, pour voir ce qu'ils ont mis en place. Et puis je lance, c'est pour lancer même un message à Ahmed Bakayoko. C'est pourquoi je fais cette vidéo là, parce que je viens de voir un truc sur la toile là. Et on dit que depuis le 4 août 2019, je sais pas, c'est ce que je viens de voir. Hein. Si vous allez sur ma page là, vous allez voir la vidéo qui est là. Bon, je ne sais pas s'ils sont encore en vie ou bien s'ils sont tous morts. Mais c'est ça même qui a fait que j'ai remis encore une vidéo à faire vidéo maintenant. Il y a des femmes ivoiriennes, il y a des hommes ivoiriens avec des enfants, des femmes enceintes. Qui était en Tunisie. Les Tunisiens les ont pris et puis les ont déposés dans le désert. Donc ils ont fait une vidéo, ils sont en pleurs. Les gens sont en pleurs, ils demandent au secours. Je vous en prie, si vous connaissez les autorités, si vous connaissez les gens qui peuvent réagir là, allez-y et puis aidez ces personnes-là. Une femme enceinte, des enfants, des bébés, on les a abandonnés dans le désert. Les Tunisiens les ont pris, les ont laissés. Les Ivoiriens, ils sont en train de faire vidéo, ils sont en train de pleurer.
Je ne sais pas comment la situation s'est terminée. Est-ce qu'ils sont tous morts? Ou bien est-ce qu'ils ont pu être sauvés? Ils sont en train de faire la vidéo là-même. Ils disent on n'a plus d'eau à boire, on n'a pas à manger, on n'est rien, on n'a rien. Pardonnez la vidéo, actuellement je l'ai publiée. Donc, voyez ceux qui publient ou bien vous qui envoyez publier, puis les gens qui peuvent recevoir les messages là, les gens qui sont en Côte d'Ivoire là, qu'ils fassent quelque chose un peu pour les Ivoiriens qui souffrent comme ça. On peut pas être dans tous les pays arabes là. Et puis, on fait, elle se fait maltraiter. Les gens vont pleurer. Les gens, ils étaient en Tunisie. Là-bas, ils n'étaient pas dans le désert. On les a tous pris. Dans ce cas, l'autorité tunisienne les prend. Ils les amènent à la Côte d'Ivoire. Quand ils ne veulent pas voir les Africains, les Ivoiriens dans leur pays là, même s'ils les prennent dans leur ville ou bien dans les chambres là, ils peuvent les prendre et puis ils peuvent les mettre les avions puis les rapatrier en Côte d'Ivoire. Mais ils prennent tous les Ivoiriens là et puis ils sont les déposer en plein désert avec les bébés, avec les enfants. Hmm? Ils viennent les mettre en plein, entre la Libye et je ne sais pas quoi là. Actuellement, ils sont en train de pleurer comme ça. Des bébés pleurent, les enfants pleurent, les mamans là pleurent, les garçons là même pleurent. Ceux qui font en vidéo là même. J'ai publié sur ma page. C'est écœurant. J'ai publié même 3 fois sur ma page. Hein? T'as pas compris? La vidéo est sur ma page. Si tu t'en regardé tout à l'heure là, après le direct, ou bien si tu veux, tu arrêtes le direct et puis tu vas voir. Ils ont mis 4 août 2019, celui qui fait la vidéo. Les enfants sont en pleurs, les mamans sont en pleurs, le garçon même qui filme là, eux tous, ça fait pitié comme cela. Des Ivoiriens en train de pleurer. Au moins quand les Tunisiens ne veulent pas avoir des Ivoiriens ou bien des Africains dans leur pays là, vous leur demandez, vous êtes de quelle nationalité? Ils disent je suis Ivoirien. Vous les mettez dans les avions, vous les rapatriez dans leur pays. Mais prendre comme ça des bébés, des femmes enceintes et puis les mettre dans le désert. Maman, où est-ce là? Il est froid. Prendre comme ça les bébés et les femmes enceintes, les déposer comme ça en plein désert. Ils sont dans le désert comme ça. Quand tu vois la vidéo même, tu es écœuré. Là, je voulais me... Je suis couché là même, mais ça m'a réveillé en même temps. Depuis là, j'étais couché là, ça m'a réveillé, ça m'a chamboulé quoi. Un bébé, une femme enceinte, des Ivoiriens, on les a tous pris et on les a déposés en plein désert. Quand tu regardes même, il n'y a même pas une petite bâche où on dit qu'ils peuvent, s'il y a le froid ou bien s'il y a le soleil, où ils peuvent s'abriter. Ça, c'est ça qu'ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais vraiment, c'est choquant, quoi. Nos autorités, là, même si vous êtes des RHDP et que c'est des Ivoiriens, ayez pitié un peu les autorités de Côte d'Ivoire, là. Un peu de pitié dans votre, je sais pas, dans votre cœur ou bien dans vos sentiments. Prenez des hélicoptères, prenez, je sais pas, des avions, faites le nécessaire. Et puis les gens qui sont dans les pays là, Tunisie, Arabie Saoudite, machin, qu'on dépose en plein désert, vous partez tous les rapatrier et puis vous les emmenez en Côte d'Ivoire. Mais ça, les gens vont encore critiquer. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Qui les a envoyés? Pourquoi ils sont partis? C'est vrai qu'on dit ça tout le temps, tout le temps. Mais on n'est plus au stade. Les gens sont en train de faire vidéo pour dire qu'ils sont en train de mourir. Les enfants ont faim. Eux-mêmes, ils ont faim. Ils sont dans le désert. Ils sont en train de pleurer. On ne va pas leur poser la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils étaient en Tunisie, là-bas, dans la ville. On les attrape, on les dépose en plein désert. Hein? Quand tu attrapes les gens comme cela, tu les rapatries. Rapatrier, là, au moins, en Côte d'Ivoire. Elle peut au moins se retomber si c'est pas... Mais vous les prenez tous les Ivoiriens ou même tous les Africains que vous attrapez en Tunisie, au Maroc, dans tous ces pays arabes. Vous partez les déposer en plein désert. C'est pas normal, c'est pas bien. Je viens de voir ça même là, c'est pourquoi je me suis levé pour faire vidéo. Si on est là, il n'y a pas l'heure à faire vidéo. Il a fait vidéo hier, il n'y a pas fait vidéo, accumuler les vidéos comme ça. Non, pardonnez, si vous voyez la vidéo là, ceux qui peuvent emmener, où ils peuvent emmener, amener là-bas à toutes les dans les organismes, dans les associations, tout, en partager là-bas aussi. Pour que ceux qui peuvent faire le nécessaire, qu'ils fassent le nécessaire. On ne peut pas laisser tourner ça sur Facebook, laisser ça tout sur Facebook, puis on va rester là pour commenter, pour dire ils font quoi là-bas. Même vous avez voyagé, les enfants critiqués, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Les gens, actuellement, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Quand quelqu'un est dans les besoins, qu'il a les problèmes, qu'il a besoin d'aide, on va l'aider directement. On va l'aider directement. On ne cherche pas à savoir pourquoi tu es parti là-bas, qu'est-ce qui t'est arrivé. Tout ça, c'est intérieurement, on pense ça. On ne va plus faire ça dans commentaire.
Et puis j'ai encore vu une autre vidéo. Ils vont me tuer. Peut-être que moi-même, il faut que je me déconnecte de Facebook. Parce qu'un jour, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. J'ai vu une autre vidéo là. Les militaires, c'est pourquoi je demande à Ahmed Bakayoko là-même. Les militaires ivoiriennes, on les appelle les Amazones. C'est sur le poste de Soulé de Paris. J'ai vu ça. Parce que je vais souvent pour voir s'il y a des vidéos ou bien s'il y a des nouveautés. C'est avec eux on peut avoir les informations. Chez nous, les propres Bakou là, nous on est dans Palab. Donc tu ne peux pas avoir bonne information. Soit on critique là, lui là, soit on dénigre lui là. Donc nous, on est au milieu. Donc c'est chez les Soulé de Paris là. Si on veut avoir les informations sur la Côte d'Ivoire, les Sourouis là, au moins ils sont encore dans l'actualité, donc c'est là-bas. Je suis allé tout à l'heure là voir un peu. Des femmes militaires en Côte d'Ivoire là-bas là, elles sont dans l'armée ivoirienne. On les appelle les Amazones. Et puis, elles sont en treillis militaires ivoirien, tenues ivoiriennes, dans l'armée ivoirienne. Elles sont dans car. Et puis elles chantent une chanson biblique là, et puis elles disent dedans, attends, je vais vous chanter la chanson. Elles disent, c'est nos corps, prenez et baisez, c'est nos seins, prenez et sucez, au Seigneur apporte-nous des grosses épines, dans l'armée ivoirienne. Hymne national. Et puis, elles sont contentes comme ça, elles rigolent. Et puis, la publication, là, il a publié sur sa page là-bas. Des Ivoiriens qui sont dans l'armée, qu'ils envoient. Je ne sais pas si c'est où ça partait, leur convoi là. C'était. Et puis, apparemment, ce truc-là, ça a déjà fait le tour. Ils ont, il y a eu plein de publications comme ça. Donc, je lance ce message à Ahmed Bakayoko. Quand tu es dans l'armée, tu es l'armée. Ça, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, vous avez recruté. Quand est-ce que vous savez qu'une fille s'appelle Fatoumata, parce que c'est leur nom, hein. Quand vous regardez, vous allez partir, vous allez voir leur nom, hein. Fatoumata, c'est à consonance nordique, eux tous. Les filles, il n'y a pas eu de formation. Vous les avez pris comme ça, vous les avez mis dans l'armée de Côte d'Ivoire. Pour être dans l'armée, là, il faut une formation. Il y a une formation. Vous avez vu les filles, ça s'appelle Kourotoumou, Fatimata, Djenebou, Manamindi. Vous tous, là, vous les avez ramassés, vous les avez déposés dans l'armée ivoirienne. Vous avez ramassé les filles là comme ça, sans éducation, sans formation. Ça ne représente même pas l'image de la Côte d'Ivoire. Elles sont dans le cas, elles chantent. C'est nos corps, prenez et baisez. C'est nos sangs, prenez et sucez. C'est nos seins, prenez et sucez. Et Dieu apporte-nous des grosses épines. Armée ivoirienne, hymne national, hymne de chant. Comment on peut vous respecter? Comment on peut vous respecter? Une nation, et ça circule partout. On dit des Ivoiriennes en pays. Elles sont dans l'armée ivoirienne, les Amazones ivoiriennes. Ça y est, l'image du gouvernement. Façon le gouvernement est là. Donc, au niveau des militaires ou des policiers, ça représente l'armée. Vous pouvez ternir l'image de la Côte d'Ivoire tous les jours comme ça. Hein? Est-ce que sur Gbagbo là, vous avez vu ce genre de trucs? Sur Bédier, vous avez vu ça? Sur Gueye même, vous avez vu ça? L'armée ivoirienne, les Amazones, des Ivoiriens qui sont dans l'armée. Et puis elles chantent. Si tu vois leur nom là même, tout ça là. Hein? Former les gens, même s'ils sont du Nord, vous pouvez les former. Vous pouvez dire que quand tu es dans l'armée, là, tu représentes une nation, tu te bats pour une patrie, et donc c'est comme ça. Voilà ce que. Aucune éducation. Aucune éducation. Tu les vois, moi, on dirait des filles bêtes qu'ils ont ramassées comme ça, pour les mettre dans l'armée, qui représentent la Côte d'Ivoire. Non. Votre gouvernement est à l'image de votre armée. Escroquerie, corruption, tout ça là. C'est l'image de votre armée qui est là. Guy anticonformé dit que c'est chic. Hein? Non, c'est pas chic, c'est une honte pour nous les Ivoiriens. Parce qu'ils ne disent pas que c'est l'armée des RHDP. Ils disent que c'est l'armée ivoirienne. C'est écrit l'armée ivoirienne, les Amazones ivoiriennes. Elles viennent et puis elles sont en train de chanter. Hymne national, hymne, même ça c'est une chanson biblique, normalement, mais ça c'est une chanson biblique.
C'est une chanson biblique. C'est une chanson, donc c'est une manque de respect même à la chrétienté, aux catholiques. Vous prenez une chanson biblique et puis vous transformez ça dans votre chanson perversion là, et puis vous chantez ça. Ça, c'est pas pour insulter la mémoire des gens. Prenez une chanson, quand on dit « C'est mon corps, prenez et mangez », les trucs, la communion là, les chansons des cantiques qu'on chante à l'église là, ils ont pris ça, les djellebou là, ils ont pris ça. Et puis ils ont transformé ça. Et puis, c'est nos corps, prenez et baisez. C'est nos seins, prenez et sucez. Et Seigneur, apporte-nous des grosses épines. Et puis tout le monde crie. Ah! Et puis ça continue, tout le monde publie cette vidéo-là. C'est les Ivoiriennes, c'est l'armée ivoirienne, c'est des filles ivoiriennes. Mais ce n'est pas des Ivoiriennes, ça. Ce n'est pas des Ivoiriennes. Ce n'est pas des Ivoiriennes. Au moins, que vous prenez n'importe qui comme ça dans l'armée, formez-les. Vous pouvez les former. Ils peuvent faire l'armée, ils peuvent former. Vous ramassez les gens, toutes les vendeuses de kumaji, oignons, et puis arachides au marché là. Vous les avez tous ramassés, vous les avez plantés dans l'armée là-bas pour aller attaquer seulement les gens. Regardez le comportement qu'ils montrent vis-à-vis des autres nations. Hmm? C'est une honte, c'est une honte, vraiment c'est une honte. Maman, pardon, reprends la chanson. Il faut aller sur le poste de Soulé là. Tu vas voir même la vidéo. Quand tu vois la vidéo, même là, c'est écœurant. Moi et ma grosse voix, elle chante bien, elle chante pas bien. Elle chante bien là-bas. Allez-y sur le poste de Soulé de Paris. Il a publié cette vidéo-là. Vous allez voir. C'est pas normal. On ne peut pas salir les Ivoiriens. À chaque fois que tu sors, il y a toujours... C'est l'humiliation des Ivoiriens. C'est l'humiliation de notre nation là même là. Nous les Ivoiriens même, on vous a fait quoi même? Hmm? On vous a fait quoi? Si ce n'est pas les autres qui vont montrer comment leurs fesses, si ce n'est pas... Je ne sais pas, c'est devenu une vie de débauche. Tout le monde fait n'importe quoi en chose comme ça, en Côte d'Ivoire là-bas. Vous ne voyez pas qu'on fait pitié? On fait pitié? Comment une nation, une armée ivoirienne, elles sont trahies, drapeau ivoirien. Et puis vous chantez ce genre de chansons cantiques de l'église. C'est pas normal. Donc j'interpelle, j'appelle cette vidéo pour Ahmed Bakayoko, s'il peut au moins ces filles-là faire quelque chose, savoir dans quel... trucs qu'ils sont, et puis les enlever même déjà. Elles doivent être suspendues, ces filles-là. Elles doivent être suspendues, elles ne doivent pas être dans l'armée ivoirienne. Comment vous voulez que votre gouvernement soit respecté? Adama Koulibaly, lui aussi, il a fait sortir son sexy Facebook. Sécurité, de service secret de Dramane Ouattara, il a fait sortir son truc bien sur ce Facebook. Tout le monde dit que non, c'est son nez. C'était pas son nez. Gros truc comme ça, voilà. Il a fait sortir ce... Ça, c'est réponse sexe. C'est pas normal. Vous nous fatiguez l'esprit. Laissez-nous un peu. On a aussi besoin qu'on dise, il y a un Ivoirien qui est ingénieur. Il y a un Ivoirien qui a créé tel truc. Il y a un Ivoirien qui a réalisé ça. Ah, Côte d'Ivoire, là-bas, il y a des chimistes. Il y a des... On a envie de voir des Ivoiriens aussi qui ont percé, qui ont réalisé, qui sont devenus... qui sont des intellectuels, des inventeurs, je sais pas, des investisseurs. On a envie de voir tout ça là. C'est du n'importe quoi seulement on voit. Quand tu vois Ivoirien maintenant, si tu n'as pas... les rebelles. Tu trouves Ivoirien, soit c'est des rebelles. Tu trouves Ivoirien, soit ils sont en train de faire de la pornographie. Tu trouves Ivoirien, c'est que c'est pour faire une vie de débauche. Tout est devenu de la perversion, perversité, tout. Tout ce qui est sataniste, ça vous a mis ça sur la Côte d'Ivoire. Laissez-nous un peu, notre esprit va se reposer un peu. Donc je vous en prie, mes amis, si vous voyez cette vidéo-là, où nos frères sont au désert là-bas, avec les enfants, les femmes enceintes, nos frères-là qui sont en train de pleurer, ils sont assis par terre. Envoyez cette vidéo où vous pouvez envoyer. Je ne sais pas où même on peut envoyer ça, ou bien ceux qui même se plaignent même pour ça, quoi. Essayez de voir, si vous avez vu cette vidéo, que vous êtes dans le gouvernement, vous êtes en ambassade, vous travaillez dans les ambassades, que vous pouvez faire quelque chose, faites quelque chose. Faites quelque chose.
Et puis ces Ivoiriens qui sont dans l'armée là, faut les chasser de l'armée. Ça ne représente pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Ivoiriennes. Ce n'est pas possible. On ne va pas attendre en 2020 pour les délivrer, mon frère Nyebo Armel Dagui. Tu parles de qui on doit délivrer en 2020? Ceux qui sont dans le désert là. Si on entend en 2020, c'est que c'est pour venir les enterrer en Côte d'Ivoire. Et puis ceux qui sont dans l'armée de choses, Dramane Ouattara, on ne va pas attendre Dramane. Eux-mêmes, ils doivent avoir un peu d'honneur. Ahmed Bakayoko, puis Dramane Ouattara, tous ceux qui sont dans le gouvernement là, ils doivent avoir un peu d'honneur. Puisqu'ils disent que. Ils ont des choses, comme on appelle, des amis. Ils ont leur agenda où ils connaissent les personnes qui sont de valeur, ou bien qui sont riches, ou bien qui sont quoi là. Donc, ils peuvent aussi, montrer une bonne image de la Côte d'Ivoire. Montrer aussi un peu une bonne image de la Côte d'Ivoire. C'est pas normal que des gens qui sont dans l'armée, des gens qui travaillent, qui sont des militaires et qui représentent toute la Côte d'Ivoire, ils aient des comportements comme ça. C'est impossible. C'est vraiment choquant. Faites quelque chose. Non, c'était surtout le message de nos frères qui sont dans le désert là, qui m'a réveillé. Et puis j'ai aussi vu la vidéo de ces filles là. Donc allez-y voir, puis vous en fait. Je sais pas, je sais même plus même. Bon, je vais vous laisser, je vous dis à vous tous, big up, c'était pas une longue vidéo, c'était juste pour parler de ça, parce que c'est juste, ils viennent de poster, puis j'ai vu. Donc, c'est dans l'urgence, donc c'est pourquoi je me suis connecté. Et n'oubliez pas, on a notre soeur, Edith Demignon, qui est au Maroc. Donc, il faut qu'on se mobilise. Et puis on va voir, je vais essayer de voir ceux qui sont à Paris, ils ont déjà commencé à mettre les trucs en place, je vais les appeler. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Gros bisous à tout le monde. Et puis c'était votre soeur Guy Balance Patricia. Je vais me poser un peu là. Je vous laisse, bye bye, à la prochaine.